Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. La compagnie ivoirienne d'électricité accentue la sensibilisation sur les risques électriques en Côte d'Ivoire. Après les deux premières éditions à Paris, la capitale économique ivoirienne, Abidjan, abritera pour la première fois dans un an la troisième édition du Forum Afrique RSE et Santé. Depuis plusieurs années, la CIE, compagnie ivoirienne d'électricité, mène des campagnes de sensibilisation sur les risques électriques. Les installations de la CIE seront bientôt marquées par des plaques signalétiques. Cette annonce a été faite le samedi 11 novembre dernier dans la commune de Bingerville, en présence du directeur général de la compagnie ivoirienne d'électricité, Amadou Bakayoko. Vous savez que le réseau électrique dispose de certains câbles qui sont en dessous du sol. Mais ils disposent également de certains câbles et certains équipements qui sont en plein air, visibles. Et donc c'est important de mettre une signalétique pour que les populations puissent savoir qu'il y a des risques par rapport à ces câbles et ces infrastructures qu'ils peuvent voir. Donc c'est tout l'enjeu, c'est d'informer les clients sur la part du réseau qui peut représenter un risque électrique. La pose des plaques signalétiques se déroulera sur toute l'étendue du territoire ivoirien, et ce, sur 3 ans. Le Forum Afrique RSE et Santé revient en 2024 pour sa 3e édition en Côte d'Ivoire. S'engager, innover et investir pour une santé durable, c'est le thème de cette édition. Le Forum promet d'offrir une plateforme d'échange pour mettre en lumière les modèles prometteurs de partenariat, d'innovation et d'engagement sociétal des entreprises dans le domaine de la santé en Afrique. Cet événement, ce forum est vraiment essentiel. Et comme je le dis, il faut que ça soit une fierté pour nous tous parce que c'est la première fois que ça se passe en Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut que ça soit une réussite. Vraiment, on parle d'Ivoirien nouveau. Je pense aussi que l'Ivoirien nouveau passe par un Ivoirien qui est en bonne santé. Pour cette 3e édition, la Côte d'Ivoire ne participera pas. Il paraîtrait que les start-up ivoiriennes n'avaient pas bien pris la mesure de l'événement, n'avait pas bien préparé l'événement. Il y a à l'intérieur de la qualité, mais à côté des start-up burkinabés, on sentait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup plus de prise en charge de l'environnement pour préparer ce genre de pitch. L'événement est prévu se tenir le jeudi 7 novembre 2024 au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Plus de 30 orateurs de renommée internationale et 1000 participants venant de plus de 35 pays sont attendus. Troisième et dernière journée des Poéticales 2023, les étudiants ainsi que les poètes invités se sont rendus à Bassam le mercredi 8 novembre. La première activité s'est déroulée au lycée moderne de Bassam. Là-bas, les élèves ont eu droit à une série de slams et à un atelier sur les méthodes d'écriture dans ce domaine. Ils ont pu déclamer des poèmes de leur choix pour démontrer leur amour pour la poésie. Quand on participe à un festival de poésie, non seulement on apprend, on s'amuse, on sort des livres et on se sent bien. Pourquoi Bassam? On le sait, Bassam a été, c'est une capitale historique de la Côte d'Ivoire. Donc, il suffit de voir des bâtiments parce qu'il y a encore le quartier, je dirais, colonial qui est encore là. Il y a des traces de notre histoire, tout est ici à Bassam. Le musée des costumes de Grand Bassam a abrité la clôture du Festival international des poètes d'Abidjan, ainsi que la seconde activité de cette journée, la visite du musée. Les élèves sont nombreux dans la salle, nous l'avons noté tout à l'heure, et c'est notre joie de savoir que la poésie les rejoint. À travers quoi? C'est à travers des mots qui ne peuvent être sus qu'en lisant. C'est au travers de la lecture que nous allons découvrir ce vocabulaire, ces syntaxes et cette joie de s'exprimer correctement avec le vocabulaire technique qu'il faut. Le Festival international de la poésie d'Abidjan s'est tenu sur 3 jours et avait pour objectif de créer un cadre d'échange et d'expression pour les poètes et aspirants dans ce domaine. Contribution des inspecteurs pédagogiques de Côte d'Ivoire pour une école de qualité. C'était le thème de l'atelier à l'occasion de la 3e édition de la rentrée académique des inspecteurs pédagogiques de Côte d'Ivoire. Cette édition qui a eu lieu à Dalloa a réuni les inspecteurs pédagogiques du pays afin de réfléchir sur les réalités de la fonction d'inspecteur pédagogique. Et cette rentrée académique des inspecteurs pédagogiques de Côte d'Ivoire
REFSI vise à promouvoir et aussi à se prononcer sur les réformes initiées par Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Les associations pédagogiques de Côte d'Ivoire profitent de ce grand rendez-vous pour exposer leurs conditions de travail et aussi faire des suggestions pour pouvoir atteindre cet objectif, vœu cher à Madame le ministre, une école de qualité en Côte d'Ivoire. Ici, il s'agit de préciser la contribution des enseignants pédagogiques à l'avènement d'une école de qualité. Tel est l'enjeu de cette rencontre. Et nous pensons qu'à la fin de cette rencontre, plusieurs suggestions ont été faites pour amener tous les instituteurs pédagogiques de Côte d'Ivoire, qu'ils soient ceux du CAFOP, ceux de l'enseignement secondaire, de travailler de façon efficiente et efficace pour qu'au niveau des établissements privés comme au niveau des établissements publics, l'objectif d'une école de qualité soit atteint. Après avoir reçu les doléances du collectif des inspecteurs pédagogiques, M. Ouattara Flanagan, inspecteur général de l'éducation nationale, a donné des conseils au collectif. Moi, je leur conseille, puisque nous sommes dans une optique d'une école de qualité, je leur demande de travailler avec beaucoup de soin, avec beaucoup de soin, avec beaucoup de professionnalisme. Alors, si eux-mêmes qui sont chargés de l'encadrement, il faut bien qu'ils soient au parfum de toutes les approches pédagogiques et qu'on n'ait pas à leur pousser des contenus académiques. Au cours de la troisième édition, un appel a été lancé aux inspecteurs pédagogiques afin de former les enseignants sur la méthode active d'enseignement en Côte d'Ivoire, qui est l'approche par compétences APC. Fin à cette édition, merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetteinfo.ci.